Hey, 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 cucu, mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marois, nouveau et dernier épisode. Et oui, ça y est, je vous avais prévenu la semaine dernière comme quoi le Let's Play allait bientôt terminer et j'ai pris ma décision qu'aujourd'hui serait le dernier. Comme je vous ai expliqué, je tourne beaucoup en rond avec ma famille et honnêtement, je perds un peu l'envie de jouer. Peut-être qu'ils reviendront, on les reverra peut-être. Vous savez, s'ils sortent des add-ons avec d'autres créatures surnaturelles, je pourrais très bien les jouer avec ma roi, c'est-à-dire faire des gangs ennemis ou je sais pas. Mais en tout cas, je pense que pour l'instant, ce let's play sera en pause pendant une durée indéterminée. Et arrête de chanter, j'en ai marre. Je veux plus t'entendre chanter. Entre vous, toi, tu chantes et tes chats qui gueulent, j'en ai marre. Toutes les scènes, c'est la même chose. Donc, hey, d'ailleurs, qui vois-je arriver? Ah bah, elle est partie. C'était Rieko. Et bah, dis donc, je pense qu'Angélique a dû accoucher. On va aller voir ça tout de suite. Elle n'a pas encore accouché. Est-ce une blague? Si, ça y est, ils ont eu un petit garçon qui s'appelle Vincent. Voilà, voilà. Et on avait notre petit Gaston, bien sûr, qui avait eu deux filles, donc elle, Céline, que j'avais relookée, et Émilie. Voilà, la famille Bad Challenge s'est peu à peu agrandie avec deux enfants et un petit bébé ici. Il y a un peu plus de majorité de filles, mais c'est pas mal. On est bien, de toute façon, nous, on aura eu la plus belle fille. Pour concernant la famille Vatoré, donc de Marois, avec Azener et Aidan, ils seront bien sûr dans la galerie et disponibles. Vous pourrez les télécharger et surtout activer les CC pour trouver la famille. Sinon, vous ne les trouverez jamais parce que Marois, elle est blindax de CC. Regardez-moi, tout ce qui est sur elle, c'est du CC. Voilà, j'ai franchement, elle, je me suis tellement éclatée à mettre des super tenues que voilà. Oh, ils sont mignons. Bon, bah, du coup, on va attendre qu'ils fassent un peu jour. On fera une réunion de groupe et on fera la folie. On va danser et on va s'éclater pour fêter ces derniers épisodes. Eh oui. Oh, il était choqué, le monsieur. Mais quoi, il lui fait juste un petit suçon, un petit bisou dans le cou. Il n'y a rien de choquant. Ah, alors. Sinon, si t'en veux pour ton grade. Tu vas en avoir pour ton grade. Tu sais, on n'est plus à ça près. Aidan, il est généreux. Il donne des coups de croc dans le cou à qui le veut. Bon, tu pues, oui, Aidan, tu iras te laver après. Allez, tu vas manger le monsieur parce que le monsieur il avait l'air jaloux. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Oh le ciel est choqué. Mais arrêtez! C'est juste un petit vampire. Un vampire mineur, regardez, sa réputation commence à tomber. Est-ce que tu peux faire autre chose que de leur boire le sang, boire le plasma? Non, tu peux rien d'autre faire. Bah, c'est bien! Oh, petit Aidan, tu vas remonter maintenant, tu vas peut-être rentrer à la maison et te prendre une douche. D'accord. Ouais, lui, il sait plus quoi faire. Le pauvre Caleb, il se met à la guitare. Désespérément, il dit, bah, je m'ennuie dans cette belle maison avec mes grands-enfants et ma femme magnifique et talentueuse. Je suis jaloux, je me mets à la guitare aussi, tant qu'à faire. Voilà, j'attendais juste qu'il fasse un peu jour. Et puis, on va peut-être... On s'activer, on va inviter tous les amis et on va danser. Allez, 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 on a du pognon et en plus, tout le monde est arrivé. Pour la dernière réunion, ils se cassent tous le dos. Tu vas pouvoir faire un câlin à ta sœur. Voilà. Aussi, on a notre Gaston national. Et Céline Tanaka, oui, c'est la fille, là, elle veut pas. En fait, on n'est pas en super terme avec elle, donc bah, voilà, j'arrive pas à la faire venir. C'est chiant. Je peux pas faire venir tout le monde comme j'aurais aimé. Par contre, j'ai fait venir une jeune fille qui m'avait l'air mignonne. Elle est pas mal du tout. Dis donc, Aidan, tu pourrais venir bah, lui discuter, lui conter fleurette. Oh là là, il est hystérique lui maintenant. Ouh là 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 là, tu me fais peur, mon gars. Discuter avec mademoiselle.
Pourquoi pas? Mais il est où? Ah, il est en train de danser. C'est la fête, hein? C'est le dernier épisode. Voilà. Tu te calmes et tu arrêtes de danser et tu lui parles, s'il te plaît, ça pourrait être sympa. Oh là 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 là. Bon, tu vas lui parler, bon sang. Ah, tu vas discuter avec elle, se renseigner sur la carrière, raconter une blague. Et surtout, bah, juste discuter, quoi. Hein, tu sais, au lieu de frimer absolument, tu fais connaissance, t'es sympa. Tu lui dis, hey, salut, ça va? Est-ce que tu penses quelque chose des vampires en particulier ou, Et notre jolie Azénor, j'ai pas trouvé qui que ce soit d'intéressant dans son calepin. Donc bon, tant pis, ce sera pas aujourd'hui qu'on va la caser. Et ce sera sûrement pas demain non plus. Salut Tati, alors, Nininha, le truc nu, on s'en fout. Ah, si, c'est qui celui-là? J'ai qui celui-là? Ok. Tu sais que tu peux rentrer, toi. Elle est tout le temps à la porte, elle, hein. Elle est trop bizarre comme fille, Lilith. Voilà, là c'est la fête, il neige. Qu'est-ce que tu appelles, toi? Ah oui, t'essayes d'appeler notre amie Céline, mais c'est une vampire, donc elle ne peut pas venir. Bah oui, et je peux pas l'inviter. Elle est pas dans la liste d'ajouts de... Voilà, donc je peux pas l'inviter, c'est trop nul! Je suis déception! Salut Stéphane! Alors, tu es heureux de ta nouvelle vie, avec ta nouvelle femme et ton garçon? Eh ben c'est cool. Ah, barrez-vous, il veut danser. Vas-y, éclate-nous. On veut voir à quel point tu danses bien. Waouh! Wouh! Waouh! Même le chat est impressionné. Ah oui, d'accord, lui, il va te faire foutre, on s'en fout. Aidan, tu laisses pas tomber la fille, hein. Ça pourrait bien que... Voilà, tu discutes avec elle. Elle a un look de merde, mais... Et puis, elle pète pas plus haut que son cul quand tu vois comment elle marche. Mais bon, ça pourrait être pas mal quand même. Mais c'est ouf, hein, c'est tous des machines à danser, regardez-moi ça. Ils ont des skills de ouf en danse, hein, force, de faire les réunions et de danser tout le temps. Compétence 2 pour notre ami Calibou. Mais c'est pas beaucoup par rapport à d'autres, je pense. Hein. Parce que vu les trucs qu'ils nous font, des fois, c'est chaud. Hein. Ouais, ouais. Et les chats sont toujours là. Non, j'adore les chats. Mais bon, dans le jeu, ils sont un petit peu relous. Regardez ce qu'elle fait, elle. Eh ben, Angélique, tu nous surprends. C'est sympa. Non, il y a des bons skills. Ah, ça y est, Lilith, elle se décoince un peu et il était temps quand même. Hein. Fiouf. Oh mon dieu! Oh non! Petit Apollon! Oh, c'est horrible de mourir au milieu de la musique comme ça. Non, mais éteignez-moi ça! Faites pas la fête alors qu'il y a un petit minou qui vient de mourir comme ça. Oh, petit cœur! Oh non, la tristesse. Voilà, bah non, bah c'est horrible. Cette petite bête. Oh, donne-moi ce petit minou, trop mignon. Oh, c'est horrible, ça me donne envie de chialer. Voilà, ils seront tous, on serait tous comme ça si on attachait d'importance à ce let's play. Je suis horrible. Non mais voilà quoi. Un pauvre Timinou. Bah voilà, il fallait bien qu'il s'en aille. Par contre, là, la faucheuse, là tout le monde a peur. Salut la faucheuse! Tu vas prendre mon chat! Oh. Azénor, elle en a rien à secouer, la meuf. Oh bah dis donc, la famille va se restreindre beaucoup d'un coup, hein. Et bon, on va mettre ça dans l'inventaire de Marouat.
Voilà. C'est fini. C'est quoi ça qu'elle a? Ah, c'était son bouquet. Oh, comme ils étaient beaux le jour de leur mariage. Voilà, bon ben ça a donné un. Oh ben d'accord, elle se casse la gueule. Ça a donné quand même un coup de froid sur la réunion. Voilà. On va faire mettre ça. On va mettre fin, pardon, à la fameuse réunion et on va pleurer un petit peu. Et surtout, ben. Attendez, je vais se tendre. Tac, on met fin à la réunion. Et on fera un dîner d'adieu. Avec les mêmes protagonistes, mais on invitera Céline, donc la fille, la cousine, quoi. La fille de Gaston et Rieko, que vous verrez son relooking, parce que j'ai quand même. Voilà, je suis quand même relooké la fille, histoire qu'elle soit pas dégueulasse. Bon, elle a une sale tête, hein, par contre, ça, je pourrais rien faire de sa tête, mais j'ai relooké au niveau du style. Donc, comme ça, on pourra voir à quoi elle ressemble. Déméter, tu fais que des conneries. Il y en a assez. Elle m'a craché dessus, hein, saloperie, là. Alors! On va te mettre la tête dans le pot, tu vas voir si tu veux encore faire la maline. Non mais oh. Alors je voulais faire un dîner, puis je me dis que finalement une petite fête avec déguisement, je l'ai jamais fait. Allez, ce sera Marois l'hôte. On va inviter Azeda, Enkel, Leb, Gaston, Stéphane, Angélique, bien sûr. Ça c'est pour les classiques. On va inviter Sonia Gothique. Ouais, mais Rieko, Lilith et Foufou, elle est où? C'est pas possible, on peut pas. Elle peut pas l'inviter! Céline? C'est une blague. Elle est là! Pourquoi elle a les bouts de cheveux rouges? On a pris un traiteur déjà, mixologue, on n'a pas de bar. Si, on a un bar. Écoutez, je vais prendre quelqu'un. S'en fout, on va recruter. Pire, je mettrai un bar. Et bien sûr, on va faire ça à la maison. Mixologue, on a besoin d'un bar. J'avais pas mis un bar dans le coin. Ah non, bah, j'ai pas de bar. Vous voyez, je vous l'avais dit. Oh! Ah, c'est génial! Ils sont déguisés, c'est trop bien! Zenor, ça lui va trop bien. T'es habillé en quoi? En flic? En postière? Oh punaise, Caleb, tu es sublime. Tu es sublime en lama. Oh là 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 là, my god! Angélique en fée. C'est trop bien. Bon, je vais installer un bar quand même. Et on est parti pour le show. Ah, oh, Edan en Dark Vador. Non mais. La blague. C'est du grand n'importe quoi. Par contre, Kalebou. Coucou, Kalebou, tu nous vois? Ah d'ailleurs, on va le sélectionner, on va regarder. Est-ce qu'il voit? Ouais, il voit nickel en fait. Mais bon, même si c'est pas vrai, hein, c'est pas. Oula! Ah, c'était le livreur. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un livreur de pizza. C'est son déguisement. C'est n'importe quoi. Oh, t'es belle, Angélique! Ce maquillage te va à ravir. Tac, tac, tac. Là, on est Aidan. D'accord. On a les chats et le chat. C'est pas vrai. Ah, j'ai cru qu'elle faisait encore des conneries, Déméter. Mais qu'est-ce que tu fais, mais prépare pas un chili? Et puis, on a demandé un truc spécifique. Alors, elle arrive en... D'accord. On va quand même mettre de la zucmue. Ouais, on s'en est remis maintenant, le chat. Oh, non, c'est horrible de dire ça. Tu vas mettre, voilà, alternatif. Ce serait bien que tout le monde arrive et que tout le monde soit déguisé, et la Céline y compris. Bon, vous l'aurez pas vu relooker, mais un minimum, quoi. Ah, ça lui va trop bien, hein, Zenor, n'empêche. Qu'est-ce que vous faites peur? Surtout Marois, magnifique en postière. Non, mais de toute façon, on a recruté quelqu'un pour tenir le bar, donc ils ont intérêt à le venir le faire tenir, quoi. Oh, ben il est là, lui! Il est déguisé en. On sait pas quoi, un truc un soudeur ou post-apocalyptique. Hein, les amoureux? Vous êtes contents, hein? Ah oui, il fait froid un petit peu, peut-être pour vous. Bon. Oh! Eh ben, c'est Sonia Gothique! Elle a un pieu. Bah, elle a un pieu. Il y a un pieu dans mon jeu? Bah, zut alors. Elle est en princesse Leia, là, je sais pas quoi. Avec un pieu dans les mains. D'accord, très bien.
Bah écoutez, et ça c'est qui en astronaute? Mais c'est la fameuse Céline. Ah, vous n'allez pas pouvoir voir grand-chose du coup parce que tant qu'astronaute, c'est pas génial le déguisement. Hein. Oh, la fée et le livreur de pizza, ils se font des bisous. Mais que c'est mignon. C'est vrai que je me souviens que c'était pendant le Bad Challenge que j'avais bouffé la petite Sonia. Donc je pense que c'est Marwa qui a créé Sonia en tant que vampire. Bah oui, parce que elle est quand même C'est une vampire, faut le ça. savoir. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on peut te demander ta forme sombre? Je pense qu'on pourrait te demander de voir ta forme sombre. Je ne sais plus comment. Combat d'entraînement vampire calé, on va peut-être. Voilà. C'est une vampire avec un pieu dans la main. Moi, ça me fait un peu peur, tu vois. Ça me fait un peu penser à Buffy. C'est elle-même est une vampire qui va tuer d'autres vampires. Déméter, elle bouffe encore dans l'assiette. C'est pas vrai, cette petite mémère, qu'est-ce qu'elle est chiante, sa mère. Ouais! À sa mère, en l'occurrence, c'était. Oui, mais c'était Nabeshima. Et son père, bah, c'est Apollon. Donc, ses parents sont maintenant décédés. Oh là là. Oh, la bœuf montera plus sur les plans de travail. Alléluia. De toute façon, on s'en fout. Personne va manger ça. Mais, en soi, c'est chiant. Tiens, tu vas essayer d'être sympa avec Céline quand même. Faut bien qu'on ait les. Que ça se passe bien. Que tu t'excuses d'être une vampire méchante. Et peut-être que Céline t'appréciera. C'est bon, c'est quand même la fille de ton frère, c'est ta nièce. Donc c'est important que vous entendiez bien dans la famille. C'est marrant de les voir tous déguisés, j'aime bien. C'est mignon. Oh bah non, tout le monde s'en va déjà? Oh, tristesse. Ouais, il y en a qui s'en vont. Bon bah écoutez, hein, c'est que ça devait finir. Ah, ça lui va trop trop bien, Angélique, n'empêche. Franchement, ça lui va super bien le maquillage avec ses grands yeux noirs comme ça. Bon, eh ben, sur ce, on va regagner notre vie, enfin notre vie à nous, et la vie de nos vampires favoris va s'arrêter là, en tout cas pour le moment sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir dans la description ma page Utip pour regarder des pubs, et ça me donne quelques centimes pour chaque visionnage de pub que vous pourrez regarder. Moi, ça m'avancera pour les prochains packs des Sims 4 et autres, hein. Et je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'avoir été là pour le let's play de Marwa. Je sais que c'était pas celui qui était le plus suivi sur ma chaîne. En tout cas, maintenant, il va prendre fin, ou du moins, il se met en pause. Et moi, je vous donne quand même rendez-vous la semaine prochaine pour une nouveauté sur la chaîne. Ce sera un challenge qui sera diffusé tous les samedis. Je vous embrasse très fort. Je vous dis rien, vous verrez la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Allez, salut Marwa. Salut tout le monde. Ciao.